à l'époque, un petit angle comme ça, vous fermez le premier poteau et c'était réglé. Il ne marche pas deuxième. Voilà. Aujourd'hui, vous voyez les ailiers, même d'ici, sont capables de chercher quoi. Donc, ce qui est important quand c'est un petit angle, si je suis là et j'avance beaucoup, qu'est-ce qui va se passer? Les ailiers, il va sauter là, il va me dépasser. Donc il ne faut pas sauter. Voilà. Dans ce cas, je ne saute pas beaucoup, je suis là. Par contre, chaque parade, interdit. La jambe, c'est interdit. C'est juste jouer avec le corps. Vous voyez, je suis là, je joue avec le corps. Tous les ailiers, un petit angle, ils vont chercher quoi long. Ça, c'est 100%. Si vous êtes bien placé comme ça, ils vont chercher quoi long. Au lieu de faire ça ou ça, c'est juste déplacer tout le corps. Je suis là, hop, voilà, vous voyez. Ou là, c'est différentes parades. Là, on va parler d'angle correct, ailier. C'est lui, ailier gauche. Son pied d'appel, il est où? Là. Mets ton pied d'appel, voilà. L'école a changé un petit peu. Donc, mon positionnement, je me collais poteau et je sors avec mon pied droit sur son pied d'appel. Je suis là. Vous voyez? Je prends le poteau, impossible. Et j'attends. Vous avez vu hier, sur la vidéo de Thierry Hormayer, en l'occurrence Dominique Klein, qui a shooté, il a fait ça, 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 il a shooté le premier poteau. Tant que le joueur il est là, tant qu'il fait ça, il ne peut pas shooter quoi. Non. Ça, il faut que ça, c'est 100% comme ça. Seulement qu'il ouvre comme ça, c'est fini. Là, à ce moment-là, il va shooter que quoi. Non. Mes positions, il y a première idée, c'est sur son pied d'appel, je suis là. Tant qu'il bouge, voilà. Donc il bouge, après, moi je vais faire fermer quoi long. Et je peux faire comme ça, je peux faire comme ça, je peux fermer comme ça, ou je peux faire comme ça. Voilà. C'est à votre gardien de définir la patte qui lui correspond mieux. Par exemple, lui, qui a les hanches un petit peu larges, je conseille de faire comme ça. Voilà. Vous voyez, je ferme quoi long, je suis là. Puis juste regarder la hauteur de ballon. La première génération de gardiens qui sont arrivés en France, eux, ils avaient une autre technique. Ils considéraient qu'il faut sortir à peu près à 60 degrés. Enfin, imaginons ça, c'est 90. Et bien, il faut sortir à 70. Et tout. Et comment ailier, il ouvre son angle, se déplacer tout en fermant le premier poteau. Vous voyez? Aujourd'hui, cette parade, vu l'évolution des ailiers, pour moi, c'est très difficile à faire. Donc, c'est pour ça qu'il faudra changer. Une chose importante. Sur le poste d'ailier gauche, on sort avec pied droit. Pourquoi? Pourquoi on ne sort pas avec l'autre pied? Est-ce que vous avez une idée? Alors, je vous explique. Si je sors avec mon pied gauche, tout le corps, tout poids de mon corps est sur ma jambe gauche. Donc, pour aller chercher quoi long, c'est difficile. Donc, je ne peux faire que ça. Alors que si je sors avec mon pied droit, mon poids de corps est sur ma jambe droite, mais mon premier poteau est fermé. Sauf qu'il ouvre et à ce moment-là, je vais aller chercher. On a un joueur de moi, on a un décalage et un ailier qui a un angle comme ça. Alors à ce moment-là, c'est plus chaud à l'aile. À ce moment-là, je vais sortir. Ce qui est important, c'est sauter toujours avec jambe droite. Voilà. Le petit saut. Et c'est plus pareil à l'aile. Maintenant, c'est pareil à 6 mètres. Voilà. Comme ça ou autrement. Au déplacement, il y a un décalage. Vous n'avez pas le temps, effectivement, de venir ici et se placer. Parce que vous êtes là. Et l'ailier est déjà là-bas. Donc à ce moment-là, il faut aller ici. Essayer de fermer quoi long. Avec son corps et la main, et attendre le premier poteau. Donc si je shoot ici, vous êtes là, et le premier poteau fermé ici. Vous voyez, c'est différent. Il y a 3-4 façons à jouer sur le poste d'ailier gauche. À droite, c'est pareil. Exactement la même chose. Tout ce qu'on fait à gauche, c'est exactement la même chose. Vas-y, place-toi. Fais le colon. Voilà. Ce qui est important aussi, dans cette parade, jamais suivre le joueur latéralement. Pourquoi? Je shoot comme ça, en bas, en diagonale. Ok, hop, voilà.
je shoot en diagonale. Vous voyez, sa parade, elle n'est pas comme ça. Elle va aller comme ça. Ok? Maintenant. Oui. Deuxième exercice. Je suis positionné, je sais quoi long. Hop. Vas-y. Hop. Voilà. Vous voyez? C'est le genre d'exercice où, à un moment donné, ils vont avoir un automatisme de faire ça à l'aile. Tu mets tes mains derrière. Non, non, debout. Et ma derrière, tu veux jouer que les jambes. Ça, c'est cosser un grand ongle. Donc, c'est plus parade. Et lié, c'est asymètre. Voilà. Voilà. Vous voyez, pourquoi je mets un gardien sous le genou? Parce que c'est un petit peu ça, quand un ailier saute, il est toujours au-dessus un petit peu. Donc, pour moi, voilà, au lieu de prendre une chaise, moi, et voilà, c'est mieux peut-être. Donc il va faire les parades avec deux mains à l'aile. Donc je fais comme ça. Deux mains. Deux mains. Deux mains. Par rapport à mon bras. Tu vois. Hop, voilà. Ce qui est important, c'est ça ou ça. Le dernier exercice. Hein. Donc il se place sur mon pied d'appel. Et place-toi. Voilà. Place. Voilà. Maintenant je vais entre les jambes. Voilà. Hop. Je baisse mon bras. Fais attention pour pas être là. Latéral, voilà, vous voyez, tout ce genre d'exercice peut aider notre gardien. Si vous expliquez comment il faut faire juste la parade à l'aile.